Alors, Coupe du Monde, messieurs et dames, Adrien, un seul Français dans les deux compétitions, Adrien Matenay, qui faisait partie des 20 joueurs sélectionnés. Parce qu'il avait fait demi-finale au Top 12 l'année d'avant. La DHS Europe Cup en Suisse. Oui. Adrien, bon, il faut dire ce qu'il y a, depuis deux ans, il a en panne de résultats, même s'il se bat. Et là, étonnamment, dans cette compétition, il joue très libéré, il est très libre, et on a vu vraiment l'Adrien Matenay qu'on a vraiment envie de voir, qui lâche ses coups, qui fait le show aussi parce que ça fait partie de lui, et qui prend vraiment du plaisir. Tu étais avec Adrien au coaching. Adrien est éliminé en 8e de finale contre T-Mobile. On va voir une petite infographie avec Adrien. Est-ce qu'on peut voir l'infographie si c'est possible? Elle va arriver. Patrick, Dédé a régalé, mais il y avait quand même T-Mobile. Oui, il faut savoir, il perd 4-1, mais il perd à chaque fois de très peu. Il n'était pas loin aussi de renverser. Il mène 1-0 et balle de 7 au deuxième. Donc je ne dis pas qu'il aurait gagné parce que c'était en 4-7 gagnant, mais je pense que la physionomie du match aurait pu changer s'il menait 2-0. Le problème avec T-Mobile, c'est qu'il y a toujours des si. Mais Dédé, Adrien, a fait vraiment une très belle compète. Je pense que T-Mobile a eu un peu peur, notamment en 8e de finale, parce que Adrien a trouvé un très très bon niveau. C'est vrai, il ne faut pas se cacher là, il ne faut pas se voler la face. Il y a deux ans, il était 19 mondial. Là, il est un petit peu descendu au classement. Mais avec son investissement, je suis persuadé qu'il peut retrouver le plus haut point, le plus haut niveau mondial. Et pour revenir sur cette Coupe du Monde, il a battu un joueur comme Jonis qui avait battu, il a gagné 4-0 et ça me fait plaisir parce que c'est un joueur qui, Adrien adore la vidéo. Et c'est vrai quand je suis allé le voir à Sarrebourg, il voulait vraiment faire beaucoup de vidéos et notamment sur défense parce que moi je ne comprenais pas qu'il n'arrivait pas bien à jouer sur défense. Et en fait, c'est vrai qu'avec l'aide de la vidéo, comme quoi c'est vraiment important et c'est vraiment une arme sur laquelle il faut vraiment s'appuyer. La vidéo, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé dans l'enduit. Moi, j'ai toujours adoré la vidéo et c'est vrai qu'on l'utilise peut-être pas assez, même si moi, j'ai vraiment envie de l'utiliser parce que c'est important. Mais c'est vrai qu'il y a certains joueurs qui n'apprécient pas ça. Mais je pense qu'il faut vraiment obliger maintenant les joueurs à faire ça parce qu'on peut vraiment voir des choses et notamment le joueur peut se voir et voir des choses qu'il ne croyait pas ou qu'il ne pensait pas. Durant le match et donc pour revenir sur Johnny, c'est vrai qu'il fait un très bon match. Après il joue à Inzel, l'Australien, qui est aux alentours de la 100e place mondiale, mais aussi parce qu'il ne fait pas beaucoup de sorties. Je pense que c'est un joueur qui joue plus aux alentours de la 65-70e place mondiale. Un match qu'il a gagné 4-3. Il gagne 4-3, une grosse galère parce que c'est un joueur très atypique avec un service, on en parlait tout à l'heure, il sert de tous les coins de la table et un très très bon service avec un super revers qui peut jouer partout. Donc une belle bagarre pour Adrien et c'est vrai, dommage pour cette Coupe du Monde qui joue T-Mobile. Il avait encore le choix de jouer, il termine premier, il avait le choix de jouer d'autres joueurs, mais c'est bien parce qu'il a retrouvé son niveau, il va remonter aux alentours de la 40e place. Il a retrouvé son niveau, le plus dur, Carole, c'est justement de conserver le niveau et être constant dans les performances. C'est à ce moment-là qu'on sait qu'on a passé un cap quand on est sportif de haut niveau. Cap à franchir, mais je pense que Dédé il a franchi un gros cap quand il est passé du 9 mondial. Après effectivement c'est un autre cap que de maintenir ce niveau. C'est pas surprenant qu'il aurait pu maintenir ce niveau, mais c'est pas surprenant qu'il soit redescendu un peu. Il faut lui laisser le temps aussi à leur faire des sensations d'assumer un nouveau statut. Il est passé de, je sais pas, il avait trois chiffres à son classement à 19 mondial en l'espace de 2 ans. D'un point de vue un peu plus extérieur, est-ce que pour toi avoir un joueur dans le top 20 c'est ce qui va permettre justement de médiatiser le tennis de table à un plus grand nombre? Est-ce que pour toi c'est nécessaire d'avoir un joueur dans le top 20 et des joueurs un peu plus loin ou avoir une quinzaine de joueurs entre la 50e et la 100e place? Je pense que pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Patrick, s'il y a un joueur dans le top 20, ça va forcément devenir un leader et apporter peut-être des places et des titres à l'équipe de France. Et c'est ce qui va faire que les médias vont aussi un petit peu plus s'intéresser au tennis de table. Donc forcément tout ça c'est lié, on attend tout ça avec impatience, hein, c'est sûr que. Christophe, tu souhaites intervenir?
Nous, ce qui a fait la force à notre époque, c'est qu'il y avait Filou et il y avait aussi un groupe hyper large, hyper étendu, avec une dizaine de très bons joueurs dans les 100-120 premiers mondiaux. Et c'est grâce à ça qu'on a réussi à progresser. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Allemagne avec Timo. En plus, il y a Ocharov qui est arrivé, mais avec Tiger, Baum, Francisca, Filou. Je pense qu'à un moment, la Fédé s'est trompée en disant on va miser sur lui, lui il a les qualités pour être un mondial. Je pense que c'est, enfin, je pense que c'était une erreur. Aujourd'hui, on est revenu à autre chose, à dire on entraîne tout un groupe et bien sûr tout le monde va pas y arriver, mais si on en a 10 dans les 100, 8 dans les 80 et 5 dans les 50, il y en a peut-être un qui va finir dans les tout meilleurs. Parce qu'on a besoin, enfin, on va dire Filou, il y est arrivé, mais pas tout seul. Des fois, heureusement qu'on était là aussi. Il faut une forte concurrence pour les élites, c'est évident. Et c'est ce qui fait la force des concurrence est primordiale dans un groupe. C'est vrai que nous, on a cette notion de groupe, on est un sport individuel avec quand même cette notion de par équipe qui est très très importante. Mais la concurrence dans un groupe est primordiale. C'est vrai que dans tous les sports, je dirais que c'est très important d'avoir cette concurrence et c'est ce qu'on essaye de faire à l'INSEP et de créer cette concurrence qui fera, comme le disait Chris, qu'il va y avoir un joueur qui va sortir et qui sera, j'en suis persuadé, dans quelques temps dans les 20 meilleurs mondiaux. Jérôme, je compare ça un peu au judo. Le judo, quand il y a un tel niveau au niveau français, quand il y a un judoka qui est champion de France, on sait qu'il y a toutes les chances d'avoir un titre mondial ou olympique. Parce que vraiment, il y a une émulation, il y a une concurrence, et tous les mecs et toutes les filles se bagarrent et sont super forts. Donc ils sont habitués à se confronter à haut niveau, rien qu'au niveau national. Il y a une culture de la gagne aussi qui a été enseignée sur les générations. Par exemple du judo, pas du bureau, on a Teddy Riner, on a eu avant David Douillet, mais ces personnes-là aussi, un peu à ton image aussi Patrick, à travers la nouvelle génération, vous réussissez aussi à inculquer ces valeurs de la gagne, de toujours gagner, toujours progresser. C'est important cette transmission aussi de... Non, mais encore moins si Teddy Riner. Alors c'est vrai qu'il gagne tout, mais en même temps, est-ce que le judo serait aussi médiatisé si c'était quelqu'un en moins de 66 kilos? Ou je crois pas. Ça a été aussi médiatisé parce que c'était Douillet en lourd, parce que c'est Riner, ok, il gagne tout, mais enfin, je pense pas que ce soit eux qui incluent la culture de la gagne. C'est vrai qu'il y a une sacrée émulation, mais il y a une école du judo. Aujourd'hui, moi je crois de plus en plus à ce que font les Chinois et surtout les Coréens, c'est de dire chaque début d'année, on remet tout le monde au même niveau. Et c'est vrai que nous, pourtant, on n'a pas bénéficié de ça. On était dans les 20 meilleurs mondiaux, on était toujours protégés, mais c'était, encore une fois, même si on peut paraître qu'on est vieux cons, mais c'était une autre époque et c'était moins professionnel. Quand on jouait un luxembourgeois, on jouait un portugais, on s'échauffait même pas, mais je veux dire, on était sur les bases, ces mecs-là. Aujourd'hui, tout le monde s'entraîne, tout le monde joue bien en Europe. Il n'y a pas beaucoup de différence entre le 30e mondial et le 200e mondial. Si on met pas bien le service, on galère. Et je pense qu'aujourd'hui, si des mecs qui étaient 50 ou 60 mondiaux, on leur disait il va falloir gagner ta place pour être prochain champion d'Europe, prochain champion du monde, ça remet tout le monde et des mecs qui s'entraînent peut-être en club, peut-être qui ne sont pas destinés à l'équipe de France, sentiraient qu'eux aussi ont leur chance et les meilleurs feraient peut-être plus attention aussi. Un exemple concret, la Fédé a changé sa méthode de sélection. C'était les championnats du monde ou c'était pour les championnats du monde? Bah là, pour les championnats du monde, il y a eu un tournoi à l'INSEP dernier. Oui, parce que il y a des personnes qui se détachaient un petit peu et donc on fait, quand il n'y a pas trop de résultats sur le plan international, on peut effectuer un tournoi de sélection. Mais pour rebondir sur ce que disait Chris, c'est vrai que là, on est en train d'instaurer à l'heure actuelle, et il y a une circulaire qui est sortie là, ou qui va sortir pour les prochains championnats du monde à Shanghai, où on va essayer pas de remettre tout le monde au même niveau, parce que c'est quand même normal que le mec qui soit 50 soit un peu privilégié par rapport à celui qui est 100. Mais les résultats internationaux vont maintenant être primordiaux pour la sélection et il va falloir essayer d'aller de plus en plus loin dans les tableaux et si on peut rentrer un peu dans la technique, si quelqu'un fait un quart de finale d'un pro tour, il sera quasi sélectionné d'office. Le champion de France, maintenant, parce que moi je trouve que le championnat de France, il faut que ça reste une compétition très importante, le champion de France est d'office qualifié aussi au championnat du monde. Donc voilà, on essaye de durcir un petit peu les critères de sélection pour les grands championnats. Tournoi de sélection de Stéphane Lech. Donc il a gagné le tournoi de sélection, il a ensuite été qualifié. Et pourtant il était champion de France. Non, c'était pour la sélection d'avant. Il a gagné. Quand il était champion de France, il a eu le droit de participer au championnat du monde. D'accord. Et le tournoi de sélection qu'il a eu justement. C'était pour les championnats d'Europe. C'était pour les championnats d'Europe. Voilà. Circulaire, voilà.
les 50 mondiales, on mérite d'y être. Oui, on mérite sans doute d'être au championnat du monde, mais est-ce que c'est la meilleure façon de tirer la quintessence du joueur pour que toute l'année il travaille? C'est vrai qu'un an avant de la sélection au championnat du monde, on peut se dire, c'est pas du tout le cas de Dédé, hein, qui est pas du tout comme ça, mais on peut se dire, bon bah, je suis tranquille, je sais que j'ai ma sélection, je me prépare pour les mondes. Je pense pas que ça soit un bon calcul, même si nous on en a bénéficié. Et juste pour revenir sur le tour de sélection, je demande juste un truc, c'est qu'on arrête de les organiser à l'INSEP. Ça avantage ceux qui jouent à l'INSEP, je trouve ça un peu vache. Il n'y a personne qui vient nous voir. Et ça serait un truc qu'on pourrait vendre à des clubs ou il y a des clubs qui pourraient être contents d'organiser ça. Et si on veut mettre le pays en valeur, il faut aussi que. Enfin, nous, ça, je me mets dedans, hein, finalement, parce que je me considère aussi un peu plus fédéral. Voilà. Il faut qu'on réfléchisse à des formules où voilà, on peut mettre le pays en valeur. Même si c'est Stéphane qui a gagné, qui ne s'entraînait pas à l'INSEP. Ouais, et que Jérém était en finale et qu'il n'était pas INSEP en plus. Mais c'est vrai que je rejoins Chris, je suis sûr qu'il y a des clubs qui seraient satisfaits de recevoir ce genre de compétition parce que c'est, les joueurs jouent leur vie pendant ces compétitions et c'est vraiment intéressant. Un exemple concret, Carole, tu t'entraînes aujourd'hui à Villeneuve où Stéphane Wesch joue également, ou Jérémy Petiot, qui également sont internationaux. Aujourd'hui, il y a des. Donc il y a l'INSEP, mais aussi d'autres pôles de joueurs où il y a une forte concurrence. On s'aperçoit que ces joueurs perdent aussi à l'étranger et dans leur club. Donc ça prouve bien aussi qu'il y a l'INSEP, mais c'est très bien aussi d'aller regarder un petit peu ce qui se passe dans la Fédération de France des pôles. Ça pourrait être intéressant aussi. Ouais. Et ce qui est surtout bien, c'est que maintenant il y a Pat à la tête de l'équipe de France et que Pat, lui, ça, il en est persuadé qu'on peut s'entraîner ailleurs. Et d'ailleurs, bah, il a prouvé, il a sélectionné Stéphane, là, Jérémy, il aurait pu avoir sa chance. Voilà, donc et ça, c'est important. Sauf que aujourd'hui, c'est le discours qui va avec les actes. Mais pendant des années, ça n'a pas été ça. C'est-à-dire qu'on disait, on garde un œil sur vous, mais quand tu étais plus au lycée, tu avais aucune chance de sélectionner. Ça, c'est. Ça, pour moi, c'est vache. Il y a des joueurs qui, on en parlait tout à l'heure de la maturité, il y a des joueurs qui sont différents, on nous apprend à accepter les différences de chacun à l'entraînement. Bah voilà, Stéphane Wesch, il va même venir à l'INSEP, il aura peut-être jamais envie de venir à l'INSEP, il préférera peut-être aller jouer dans l'entraînement d'Allemagne ou en Russie, machin. Mais si c'est le meilleur, s'il y a une direction, il faut du soir et du bon. On va revenir à ce qu'on peut sortir sur la Coupe du Monde, on s'était un petit peu éloigné du sujet. Donc chez les féminines, Li Shuwen a gagné et chez les messieurs, on a et chez les messieurs, Zanzike a gagné contre Malong. Et il s'est passé un événement qu'on peut dire aujourd'hui mondial. Il a célébré sa victoire en éclatant des séparations. Donc ça a été justement repris dans les médias, ça a fait parler du ping. Et il y a surtout une contestation de la part de l'ITTF qui a décidé de retirer sa prime de victoire qui était de 45 000 dollars. Et voilà, donc moi je me suis exprimé sur le sujet un peu à deux coups. Moi je suis pour lui avoir retiré les 45 000 dollars. J'ai lancé l'info comme quoi qu'il aurait fallu lui retirer son titre, évidemment c'est faux, mais par contre je pense qu'il fallait une sanction. Voilà, on va faire un petit tour de table. Jérôme, un sportif qui fait un mauvais geste, quelle sanction t'aurais donné à Zanjike? Bah déjà, il faut savoir si ça c'est un mauvais geste. Moi j'ai vu les images. On peut revoir la vidéo en même temps. Est-ce qu'on peut revoir la vidéo de Zanjike? That was the victory, the cry of victory of Zanjike. He said, I am going to win. What a worthy finals match. And it's a photo finish in the finals as well. Characteristic move of Zanjike. Je pense qu'on aurait pu faire ça aussi. Jérôme, qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça me choque pas du tout. Le mec, il exprime sa joie. Au contraire, j'ai envie de dire, il montre sa personnalité, il montre que les bons juste. Voilà, quoi, ils peuvent être un peu capricieux aussi. On a reproché au tennisman pendant longtemps, après la période de McEnroe,
période de Connors qui gueulait sur les arbitres, au moins qui amenait du chaud. La période des il a besoin de cheval. Okay, ça peut te faire du bien. Après, tant qu'il ne fait pas, parce que ça je considère que c'est pas n'importe quoi. Moi ça me choque absolument pas. Revenir sur le geste, oui, moi je trouve pas ça incroyable, je trouve pas ça bien, surtout de le faire le tour pour faire une deuxième fois, ça j'ai pas compris. Mais par contre, il faut se rendre compte de toute la pression qu'il y avait sur Zanjiku sur cette compétition. Alors moi, c'est après que j'ai appris qu'il y avait, une pression dingue, parce que c'est vrai que Zanjiku est super fort dans les grands tournois, championnat du monde, coupe du monde, jeux olympiques, jeux asiatiques, mais c'est vrai que tout au long de l'année, c'est peut-être le chinois qui perd le plus de matchs. Et c'est vrai qu'en Chine, j'ai appris qu'on commençait à dire Zanjiku n'a pas sa place aux Jeux Olympiques parce qu'il perd assez régulièrement. C'est un petit peu sévère. Est-ce qu'il choisit ses compétitions? Non, mais je pense que quand je vous parlais tout à l'heure dans un tournoi de sélection, on joue sa vie. Je pense que c'est pas le meilleur techniquement. Je pense qu'un Malong est meilleur que lui techniquement. Par contre, mentalement, c'est un monstre. C'est la première fois qu'on voit que pour une première participation à des Jeux, il gagne. Il y a une Coupe du Monde, il gagne. Il y a des Championnats du Monde, il gagne. Et donc, lui, il entendait ça parce que le tennis de table en Chine est très médiatisé, contrairement à la France. Et je pense qu'il avait une énorme pression et il voulait montrer à la Chine entière que sa place au jeu, il l'a mérité. Et alors, je ne pardonne pas, mais d'ailleurs, je n'ai pas à juger. Mais je pense qu'il avait une pression énorme sur les épaules en venant à cette Coupe du Monde. Thomas ? Ouais, non, bah, moi, il y a deux choses qui en sortent. Je pense que la sanction déjà de 45 000 euros pour un mec comme lui, je ne sais pas si forcément ça va le titiller de perdre 45 000 euros. Après, sur le parcours qu'il a eu, il ne faut pas oublier qu'il est, il est en Europe à ce moment-là aussi. Donc, il a affronté un Nigérian où tout public était avec le Nigérian. Il joue Timor, où il n'est pas super bien non plus, il est tous contre lui, il gagne quand même. Là, à la fois, pareil, il est devant, il est devant. Timor, il sort un gros match. Donc, c'est peut-être le moyen aussi, alors c'est peut-être pas la bonne solution, mais d'évacuer un peu et de se dire, voilà, j'en ai chié, maintenant, je suis allé au bout. Stéphane ? Moi je comprends aussi un petit peu, bah, c'est quand même un match à 4-3, super serré à la fin. Il y a probablement aussi une place au JO qui est jouée là-dessus. Et quand les jeunes ils voient des. Ah ben, c'est sûr que c'est le premier truc, c'est le premier truc qu'ils vont retenir, hein, ça c'est sûr. Après c'est difficile de cautionner ça, on peut pas. Voilà. C'est un geste qui se fait pas, maintenant bon. Il y a des circonstances, on va dire. Carole ? Bon, ça surprend beaucoup aussi parce que c'est un chinois avec tout de suite on en fait tout à fait la caisse, en plus c'est celui qui a tout gagné. Vraiment, oui, c'est un mauvais geste, clairement. Moi j'ai pas l'impression que c'est spontané, j'ai l'impression que c'est calculé. En plus il en fait deux dessus, ouais. Je comprends pas très bien, on n'a pas l'impression. Comme une provocation, comme une réponse. Mais il est comme ça, à Paris, à la Coupe du Monde, il avait déchiré son maillot. Donc il aime probablement faire ça. Maintenant, avec des sanctions aussi dures, et puis parler de prime club pour ça, c'est un peu excessif. C'est clairement pas un exemple. Maintenant, c'est pas un mauvais geste envers l'adversaire, c'est pas un mauvais geste d'énervement, parce qu'il a gagné, il a pas cassé de table. Voilà, il faut remettre dans le contexte. C'est un mauvais geste, oui. Quelle sanction vous lui aurez donné ? Sportive, financière ? Je n'ai pas de sanction à donner, mais excuse-moi, ce que je voudrais dire, c'est juste que, ok, c'est pas un très beau geste, mais que de temps en temps, c'est bien de voir ça aussi, parce que c'est vrai qu'on est un sport donc très aseptisé. On met un tout petit coup dans la balle, on touche le pied avec la balle, on a tout de suite un carton jaune. On touche un petit peu la raquette avec la table, ou un léger jet de raquette pour un carton jaune. Donc, alors, je dis pas, c'est vrai que vis-à-vis des jeunes, il faut pas faire ça, il faut pas taper dans la table et tout, mais je pense que de temps en temps, d'avoir un chinois comme ça, ben moi je trouve ça bien pour le sport. Et justement, en termes d'arbitrage, est-ce qu'il aurait pu mériter un carton rouge pour avoir fait ça? Non, le match est fini. Le match est terminé. Oui, une règle d'arbitrage? Non, c'est arbitrage, je ne connais pas exactement le règlement pour savoir s'il peut avoir un rouge après un règlement, mais moi je trouve le geste me choque pas. Par contre, il n'est pas bon, ça c'est sûr pour le gamin, ça c'est évident. Et je trouve qu'il mérite une amende, mais elle est pour moi complètement disproportionnée. Au tennis, le type, il fracasse sa raquette sur le court, il prend 2 000 $ d'amende. Et combien il en gagne? Le problème, c'est que, et c'est la question que j'ai posée à Samsonov, je lui dis, mais lui, il prend 45 000 $ d'amende. Peut-être que lui, il s'en fout, il est plein en zeste, peut-être que c'est la fédé chinoise qui va payer. Mais si demain, il y a un joueur qui pète une table, c'est arrivé à Chibaïev à Enbon une fois en Champions League. Si lui, Chibaïev qui est russe, il prend 15 000 $ d'amende, mais enfin, limite, il peut pas payer, mais ça pose un vrai problème. Donc, qu'il y ait entre 500 et 3 000 $ de sanctions, ça me va très bien, mais pas plus. Quand on fait la relation de
son gain, 46 000 dollars par rapport au prix à deux séparations au carton, c'est vrai que ça peut faire aussi. Mais il faut se rendre compte que c'est la plus grosse prime qu'un joueur de ping peut toucher. C'est comme si on enlève la prime à un joueur de Roland Garros, 2 millions d'euros. Enfin, c'est aberrant. Non, c'est très excessif. Non, pour vous, excessif et injustifié. Justifié, c'est normal, comme il fait, qu'il est une amende maintenant. Non, mais qu'il est une amende. Il est millionnaire en pleine nuit, je pense, il a peut-être dit, bon, ok, garder 45 000 euros, 40 000 dollars, mais c'est vrai que c'est un peu excessif quand même. ITTF a réagi un peu trop de manière excessive. On va revenir à quelque chose de plus fun, le Gossima Ping Pong Bar. Le Gossima Ping Pong Bar qui a été lancé il y a un peu plus de 10 ans. Alexis Zikria, ça y est, ça trinque. Hein. Bon, je vais trinquer avec vous, les gars. On ne trinque pas avec de l'eau, par contre. Non. C'est ça, arrêtez, la vodka. C'est de l'eau. Hein. Donc le Gossima Ping Pong Bar lancé il y a 18 mois, un peu plus de 18 mois maintenant. Ouais, c'est ça. Alors on va regarder un petit reportage donc toujours d'Alexis Zekria qui fait le Tour de France des actus fun du ping aussi en compétition. Il est aussi au Gossima, au tout début du Gossima. On va regarder la vidéo et on va ensuite regarder. On va voir le point de vue du moins de Jérôme pour savoir ce qu'est devenu le Gossima.